Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Skylander Supercharger. Et comme tous les samedis, on fait une petite course. Et oui, et comme vous le savez, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, on a un trophée. Et on va le mettre sur ce magnifique portail. Alors si on peut le faire, alors je sais pas si on peut le faire directement en mettant la course. On va voir ça tout de suite. Si je mets une course, si je mets le trophée, est-ce que ça débloque quelque chose? Course unique. Oh mon dieu! Regardez ça, les nouveaux! C'est nouveau! Les nouveaux... Allez, c'est parti, on va mettre, donc, notre véhicule. Alors, je sais pas, alors je pense que je peux l'enlever maintenant. Enfin, c'était histoire de débloquer. Bim, bam, boum. Ok, alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Alors ça, c'est un truc aérien et aérien. Donc, c'est deux trucs aériens. Je pense qu'on va faire les deux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il y a le mode miroir! Regardez sur le côté, c'est fou! Ok, on va pas le mettre tout de suite. Et on va jouer en normal pour l'instant. Alors, je sais pas si on va faire les deux, mais vraiment. Un superchargeur! Oui, allez, c'est parti. Je suis un peu foufou. Je vous l'avoue, mais voilà quoi, c'est cool d'avoir une nouvelle course. C'était assez rare quand même. Donc, c'est parti. Ne perdons pas de temps. Et on va GG. Bien entendu. Quand chaque seconde compte pour la victoire, le circuit ultime, c'est la file du temps. Malheureusement, on dirait bien qu'un rocker fou du futur a détruit le passé et a totalement déréglé son horloge. Alors attention à vous, amis pilotes. Tic-tac! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là, ce véhicule, il est beau, il est de toute beauté. On va voir s'il est... Il est maniable. On va voir ça déjà. Ah non, j'ai raté mon... Ok. C'est normal. Jusque là, tout va bien. Alors, il semble-t-il que le niveau soit totalement what the fuck. Mais pas de problème. Ça fait mal. Ah, ça fait penser au niveau. Regardez, rappelez-vous. Mais rappelez-vous de ce magnifique niveau. C'était dans Trap Team. C'était dans celui-là qu'on a capturé... J'ai oublié son nom encore une fois, il l'a dit tout à l'heure, mais j'ai... Ah mon dieu! J'ai pas très bien entendu. C'est pas facile hein, quand on connaît pas le niveau. Hein. Je dis rien. Hein. Allez hop! Alors, je suis combien? Si je suis quatrième. Donc tout va bien se passer. Ah ah! Une petite accélération, messieurs dames! Ça sert à quoi mon... Mon bouton triangle, je sais pas à quoi il sert, je comprends pas son pouvoir. Prenez ça! En fait, quand j'appuie sur triangle, il y a une espèce de truc qui passe devant, regardez. Vas-y, zip, zip, zip. Et je sais pas à quoi ça sert. Ouah, attention! Voilà là! Ah bah oui! C'est bien d'éviter les machins qui t'accélèrent, c'est comme ça que tu vas réussir à gagner. Et là, je l'ai raté. Bon, vous êtes très agaçant, hein. Je vous spoil, mais vous m'agacez. Et j'ai encore oublié. Oh là là, je vais être dernier. Je suis troisième. Ah bah non, finalement. Qu'est-ce que c'est? Mais ça, je sais pas à quoi il sert ce pouvoir. Ah. Ok, si je reste appuyé, ça leur fait mal, semble-t-il. Ça fait mal à tout le monde. Ah, et mon pistolet, c'est un laser. Ok. Allez, deuxième tour et je suis troisième. Non, 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 me faites pas mal. Ça sert à rien. Vous êtes de mauvaise humeur. Moi, je vais tous vous balayer. Oh! Aha! Là, je ne vous entends plus. Je suis à deux doigts de gagner. Toujours troisième, oui. Et alors? Où est le problème? Je ne vois pas de problème, je ne vois que des solutions. Aha! On n'est pas passé par là tout à l'heure, on va essayer de passer par là du coup. On prend les accélérateurs de l'amour. Et... Ah, je pensais que j'allais esquiver ça, non, c'est nickel. Et l'accélération. Et voilà. Je suis premier. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est vraiment pas juste. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas juste. Je suis pas con. Et au toit, là-bas. Reviens là. Espèce de lâche. Petit rayon. Le petit rayon. Ah, oh, yeah, mais ça me fait mal. Et je l'ai encore esquivé, hein. C'est vraiment nul. Nul! Allez hop! Ne vous inquiétez pas, je suis toujours premier.
Mais je suis vraiment trop nul. Allez, c'est bon, on va y arriver quand même. Quoi, je suis troisième. Mais non. Mais moi je fail, les ils ont pas le droit de fail, ça c'est pas juste. J'aimerais bien tirer dessus, mais ça me dit que je n'ai pas le droit. On m'interdit. Hé, laissez-moi, ça me fait mal. Allez hop, ça fait mal. Voilà. Voilà. Et le rayon, c'est trop loin. On va prendre un petit objet, je sens qu'on va y arriver. Ah, l'accélération. Je suis deuxième. Faudrait que je double le premier pour donner premier. Oui. Et alors, j'ai le droit, hein, de dire des trucs évidents. C'est pas interdit ce que je t'arrache. Ouh, j'ai peur. Je suis premier. Alors, on va éviter de fail. Ce serait formidable. Ah, là, il y en a un qui arrive devant moi, là. Attends, allez-vous-en. Pourquoi vous avez plus vite que moi? C'est pas juste. Ils se sont pris un truc. Vous êtes presque mort, vous. Vous êtes au courant, ça. Pourquoi il récupère sa vie? Attends, il a récupéré sa vie. C'est pas juste. Accélération. Accélération. Aïe, aïe, aïe. S'il vous plaît, faites-moi gagner. Et ils passent par ailleurs, les autres. J'ai vu. Je vous ai vu partir par ailleurs. Bande de tricheurs. Ok, j'en ai eu un, là. Il y a le rayon que j'aurais dû mettre à lui, là. Trop de défi, trop difficile, le rayon. Oh, on va être deux. Troisième. J'ai été nul. Mais elle est pas facile, la course. Faut quand même l'avouer. Elle est bien, mais pas facile. Et en plus, il y a l'espèce de... d'hyperespace. Astroblast, pour ta première participation dans le let's play, et surtout en course, tu as été ridicule. On va pas réessayer. Choisir un autre circuit. Allez, on choisit un autre circuit. On va prendre... On va pas faire de mode online aujourd'hui. On va faire le nid de coucou de Cluck. Horloge du rock. Ah non, on sait pas comment il s'appelle. Non, nid de coucou de Cluck. C'est parti. Et on va rester en normal parce que je crois qu'on a été assez nul comme ça. Hein? Allez, on garde le même personnage parce que c'est un nouveau. Et il a le droit. Il a le droit de commencer lui aussi. C'est pas interdit, vous savez. Oui, bon, bah, écoutez. On fait comme on peut pour... Cocorico pilote et bienvenue dans le nid de Cluck. Malheureusement, on dirait que les poulets ont des états d'âme. Cela veut dire que pour remporter la victoire, il ne suffira pas de battre ses adversaires. Il va aussi falloir casser des œufs. Alors n'hésitez pas à craquouiller. Mais encore, c'est-à-dire quoi, craquouiller? Je ne sais pas. Donc je disais, oui, il faut bien faire ce qu'il faut pour meubler le temps de chargement. C'est pas évident tous les jours, vous savez. Ouais, c'est bon. Prenez ça, tous autant que vous êtes. Bim. Allez hop, maintenant, vous allez tous prendre la figure. Oh là, ils ont pris tous les items. Pour la peine, je vous fais mal à tous. Je pense que c'est ça, c'est comme ça que ça marche, hein, j'imagine. Ça semblerait que ça leur fait mal. Il semble que ça leur fait mal. Alors, est-ce que c'est... Eh, stop. Oh, ça fait mal. Bande de vilains. Du vilain bait. Allez, hop. C'est parti. Ah ah. Où est-ce qu'on va arriver? On monte. Et on esquive les œufs. Et on prend les items. Ah, oui. Ah, oui. C'est bien. Je me suis pris un beau petit œuf. Enfin, c'était pour tester. C'est pour voir ce que ça faisait. J'espère que vous me croyez. Vous me croyez tous. Hop là, je prends un objet quand même. Ouf. J'ai été protégé par le truc. Ah ouais, c'est original. Hein. Il est sympa le niveau, pour l'instant en tout cas. Ça fait penser au niveau, hein, du moment KFC, hein, du jeu. Je dis bien. Et il y avait l'hélicoptère de Stealth. La vilaine. Vilaine Stealth. Eh oh là-bas, toi, là-bas. Voilà, ça t'apprendra. Non mais oh. Allez, c'est parti. On plonge.
Ouais, j'ai peut-être pas plongé non plus, sinon j'ai tombé dans les œufs. Oui, parce qu'on tombe pas dans les pommes dans les Skyland, on tombe dans les œufs. Qu'est-ce qu'il y a? Elle veut me doubler, elle, hein? Bah tiens, prends cela! Tu me doubleras la prochaine fois! Ouah! Ah! Ah! Oui. On n'est pas passé par là tout à l'heure. Oh. Donc du coup, je me suis senti obligé de passer par là quand même pour voir ce que ça donnait. Mais vous n'êtes pas obligé de me taper dessus, par contre. C'est pas très... Bande de... Ah non! Kunchi, là! Kunchi, mais qu'est-ce que t'as fait? Vous allez prendre cher! Voilà, Stormblade, ça t'apprendra. T'as rien demandé à personne, mais tu es... Tu as été complice. Oh là là, ça... Aïe, 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 arrêtez de me tirer dessus! Oh, l'accélération! Vous n'allez pas en revenir. Ah, aïe! Stop! Il me tire dessus, là! Mais je sais même pas pourquoi, je l'aurais rien fait. Je ne suis gentil. Et j'ai... Eh non! Oh! Je me prends tous les œufs. Je suis nul. Je pense que ça sera. Oh là 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 là. Ah, je suis troisième, ça m'étonne pas. Je sais pas où sont les autres, hein, mais. Je sais pas comment ils m'ont doublé. Bah oui, c'est ça, ouais. C'est bien. Déjà, toi, tu vas calmer. Tu vas te calmer ta joie. J'ai préféré opter pour le bouclier. Mais même si je savais pas que c'était un bouclier. Parce que bah l'item, en gros, j'optais pour l'item parce que c'était quand même mieux pour pouvoir remonter. Hop là. Si je tire, ça tombe. Ah, d'accord. Bah, fallait me dire plus tôt. Vous m'embêtez, hein. Oh là là, arrêtez. Ça me fait mal. Vous êtes trop embêtants. Vous êtes vraiment des méchants. Pousse-toi, toi. Allez hop, je suis deuxième parce que j'aurais... Oui, item de deuxième. Du coup, je suis premier. Et ça, c'est beau. Ok, pour l'instant, je suis premier. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Et la solution que j'ai trouvée, c'est d'être premier et au moins avoir 2 étoiles dans cet épisode. Ou sinon... Eh bah, sinon, j'ai pas d'étoiles. Ah bah oui. Ah mais non, j'ai plus... Ok, là, je suis invincible. Ah bah, je suis invincible, mais j'ai plus de vie. Non! Et il me ralentit. Et ils me prennent ça des dieux. Ah ah! Accélération! Ok. On va pas prendre l'accélération parce que là, je vais me prendre un œuf sinon. Est-ce que je peux tirer sur l'œuf? Oui. Ok, c'est bien. C'est par. Non! Alors ça, c'est dégoûtant! C'est dégoûtant. Viens là, toi. Et voilà! J'ai pas eu l'item. De toute façon, c'est pas juste parce que j'étais censé être invincible. Je me prends un petit machin qui bouge et après c'est fini. Et donc là, c'est la fin. Je vais encore être troisième. Oh, c'est vraiment trop injuste. Prends ! Mais c'est pas possible ! Je suis deuxième. Non, arrête-toi ! Arrête-toi ! Est-ce que je veux au moins avoir une étoile ? J'aimerais beaucoup. Parce que je suis quand même deuxième, quoi. Bon bah, Astro Blast, Astro... Je sais plus ton nom. T'as même pas réussi à avoir une seule étoile. Et ça, franchement, c'est pas beau. Ok, bon, on va s'arrêter là. Je pense que je me suis assez féminisé comme ça. Oh, ça a débloqué ça, du coup. Et ça a fait mélanger, ça a débloqué ça. 4 courses, mais un seul vainqueur. Ah, d'accord, c'est les coupes. Et j'ai aussi la coupe miroir, ok. Et les pires méchants. Ça fait quoi si j'appuie? Aha! Et en gros, je bats les méchants. Il a fallu que j'achète le trophée pour pouvoir avoir ce truc-là, pour le débloquer. C'est assez étrange. Mais pourquoi pas? On va aller à la Skylander Academy. Veux-tu vraiment retourner à l'académie? Oui! Et on va voir le personnage quand même, comment il fonctionne. Ce serait pas mal. Ce serait rigolo, parce qu'on ne sait pas vraiment comment il marche. Bon, on le verra mieux quand je ferai le let's play en cauchemar. Mais voilà, en attendant... Tu as maintenant accès aux cieux les plus dangereux de tous les Skylands. Et tu as gagné le droit de concourir pour capturer divers méchants, dont le tristement célèbre Wolfgang.
Wolfgang, voilà comment il s'appelait. Sunrunner. Dôme navette. Cristaux stellaires. Rayon de luminomatière. Surchargé. Il change quand même pas mal de tête, hein. Ça c'est cool. Allez, donne le flouze, le blé. Oh, des pierres de souhait et de l'argent. Wouhou! Alors voyons voir c'est quoi celui-ci. Alors bah forcément il m'en manque un hein, parce qu'il faut que je l'achète. Et là je pense pas que j'ai l'argent. Ah il marche comme s'il était sur la lune, regardez. Bouing bouing bouing. Ok, et il a un espèce de pistolet laser qui rebondit. Ok. Et il peut lancer. Oh, si je tire dedans, voyez-vous, ça fait un truc super beau. J'ai. Bon, voyons voir maintenant le véhicule si j'ai des pièces à mettre dedans. Je me rappelle plus si j'avais des pièces. Bon, déjà, j'ai pas assez d'argent. Ça, c'est sûr. Couverture cristalline. Est-ce que j'en avais autre chose? Dôme navette. J'ai le dôme navette. Prisme réfractaire. Couverture cristalline. Ah oui, mais j'en ai un deuxième, en fait. Hein. Je vais mettre ça, du coup. Non, à chaque fois, hein. Bah oui, il suffit d'arrêter de jouer un petit peu et après on oublie comment ça marche. Le klaxon. On s'en fiche un peu en fait. Et l'avant. Donc ça c'est lui comme un de base. Bouge planète. Bouge planète. Ne météoritique. Ne météoritique. Ok. En fait j'ai juste bouge planète. Ça le rend totalement... on le reconnaît même plus. Bon allez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on jouera plus avec lui hein, pendant le Let's Play Multi avec Malas. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo, je vous dis à la prochaine les amis, ciao.